погода под руководством Леды Захидовой. Сегодня мы с вами отправляемся в кругосветное путешествие по Франции. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous voir dans notre école. Nous sommes heureux de vous saluer avec notre professeur de français, Лена Захидовна, à bord notre navire. Итак, начинаем. Но перед тем, как начнем, давайте все споем гимн. À présent, chantons l'hymne azerbaïdjanais et français. Et maintenant, nous commençons notre voyage avec le païen sur certaines curiosités de la France. Au Paris, elle est cité mère. Paris, elle est lieu son honneur. Le tourbillon éphémère tourne sur un centre éternel. Paris, faisons pour vous plus étoiles. Mon récit courir d'un voile, arrivé à l'immense toile où se prend la nation. Eh oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est un monsieur, ce pourrait monter les marches, car ils m'auront attardé. Mais j'ai quatre pieds bien assis dans une coupe de la sainte. Ah, le sanglier part à Paris, les femmes comme des phalènes, les hommes comme des fourmis, glissent enfin entre mes jambes, et le fou, le plus ingrat, monte et descend le long de mon cou comme des frelons. La nuit, je laisse les épaules, et c'est l'homme à pas trop adorer. C'est toi qui t'as sauté, je sais que tu as sauté. J'en appelle, et ça te voit la copine. La cible dans le champ, elle n'a pas de souci, elle se la roule douce, le jour comme la nuit, et elle sort de ce source, tout doucement, sans briller, et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit, et s'en va vers la mer en passant par Paris. C'est la place qui le comporte à Paris, son enfant est sur le bord des fontaines, attrapa d'horreur au cœur de la nuit fraîche. Combien pleuve de fontaine. Notre dame est bien, on l'aura peut-être. Entourée cependant, Paris qui l'a vu naître. Mais dans quelques minutes, Paris qui l'a vu naître.
Comme un loup ferveur, cette carcasse bourre, trottera ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde, rongera tristement ses vieux os de rocher. Именно история страны означает ее характер. И мы, чтобы понять французов, постараемся приобщиться к их культурному наследию. О, ля Франс! Он на канапе в собой пейзаж, на то лайфи, на гастрономе францез и доман, месси пор сам страх и за культуру дальний мод. Дико, и я только персонал, ты историк, философ, динор, эрвич, роман, динора, экстрасенер. Василий Кир. Je suis l'empereur de France. Jeanne d'Arc. Bonjour, je m'appelle Jeanne d'Arc. Je suis l'héroïne nationale française. Antoinette. Bonjour, je m'appelle Marie-Antoinette. Je suis reine de France, qui mange de la brioche. Bonjour, je m'appelle Marie Curie, je suis médecin, je suis le prion, pharmacien et le savon, je l'ai de Nobel. Bonjour, je suis Pierre Curie et moi je suis physicien français, membre de l'Académie française des sciences lauréate de prix Nobel de physique. Victor Hugo. Bonjour, je suis Victor Hugo. Je suis poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français. Charles Deneuve. Bonjour, je suis Charles Deneuve. Je suis président de la France. Bonjour, moi c'est Coco Chanel. Je suis une grande fille de mode et grande couturière française. Zinedine Zidane. Bonjour à tous, je suis Zidane. Je suis footballeur français. Son histoire nous racontera au mythe Cassandre. Et encore, nous présentons à votre attention une petite histoire sur Ahmadiyye Jabrailov. Ahmadiyye Jabrailov, qui n'a encore su le nom d'Ahmed Michel, est un activiste azerbaïdjanais qui a participé à la résistance ultérieure française. Il était de Chéquie et participait au combat en Ukraine, en Pologne et puis en Matabane, Alsace-Toulouse. Il a détruit des bombes et des parlements, des maisons où ont été logés des officiers nazis. L'une des opérations qui peut être considérée comme les plus réussies est celle qui a permis d'éviter plus de 500 enfants français d'être déportés vers l'Allemagne. Au cours de cette opération, il a été grièvement blessé. Ahmed Michel a terminé le deuxième grade de l'Union nationale de France. C'était l'heure de la médaille militaire en France, de l'ordre de la Légion d'honneur de la Croix de service volontaire. L'ordre de la Légion d'honneur lui a donné le droit de participer à tous les défilés militaires en France. Merci pour votre attention. Франции, нельзя забывать о французской литературе. Произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери известно всем. Это сказка как для детей, так и для взрослых. Шрифт поэтик «Суля Паранс» там «Конт пур анфан». «Ле пти принц» де Сент-Экзюпери это «Ancré» там «Ле манжер» и «Ле мемуар де ту». «Je suis tellement triste». Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisée.
Est-ce que c'est une fabuleuse? C'est une vie créée de liens. Tenez encore, pour moi qu'un petit garçon, c'est semblable à ça, mes petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pas pour toi qu'un renard, semblable à sa mère renard. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'approuvoises, ma vie sera comme un soleil. S'il te plaît, approuvoise-moi si tu veux un ami. Je pleurais. Vous n'êtes pas tout semblable, vraiment rose. Vous êtes belle, mais vous êtes vite. Vous n'êtes pas tout semblable, vraiment rose. Adieu. Adieu, voici mon secret. On ne voit rien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu es perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Tu deviens responsable de ce que tu es apprivoisé. Tu es responsable pour ta rose. Je suis responsable de ma rose. Насколько для нас важна музыка. Она служит способом самовыражения, способом передачи чувств, эмоций и мыслей. Французская музыка – одна из самых интересных и влиятельных музыкальных культур. Давайте послушаем песню «La Vie en Rose» в восточном исполнении наших учеников. Écoutons la chanson «La Vie en Rose» dans l'interprétation «Avantage de la Zone». Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle de moi, je vois la vie en rose. Il me dit des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est en vie dans mon cœur. История французской кухни уходит с корнями в глубокую древность. La France est mondialement reconnue pour sa gastronomie et son art de vivre. Depuis 2010, le repas gastronomique à la française et ses métiers sont inscrits au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Maintenant, nous vous présentons un peu de la gastronomie française. C'est un petit pain si parfumé qu'on sert au petit déjeuner avec du café pour les adultes ou du cacao pour les enfants. C'est vraiment un symbole unique de la France. C'est bon! Qu'est-ce que c'est? C'est Penelope. C'est une baguette, un vrai pain français national avec une croûte croustillante incroyable. Tu devrais l'essayer. Il est très croustillant. Comment c'est que c'est les soeurs? Ils sont très colorés. Petit gâteau rond, croquant,
zaman elek istemiyor, envayı elek yapıyor. Fırtın patabaz damat bile, dözük edoblendör, parfümü, o kafe, ala pistaş, ala vani, o şokola. İnsan devleti en koya bir sabuğu, kusura uğur konjörün bu. Ebot kupanin. Kusura seyir. Pouvez-vous me dire c'est quoi? Un éclair est une lampe très française, faite de pâte et choux, remplie de crème pâtissière et trempée dans un glaçage fondant. C'est le grand pâtissier Antoine Carême qui a eu le créateur et depuis le 19e siècle. L'éclair, c'est un instant de bonheur qu'il ne faut pas laisser passer. Merci pour votre information. Dites-moi s'il vous plaît, c'est quoi ça? C'est un brioche. Les brioches sont un témoin lié à notre enfance et au petit déjeuner coupé du dimanche matin. Et le sang-lude, un de ces aliments associés au plaisir de manger. La pâte à brioche est composée de farine, de levure de boulanger, de lait, de sucre et surtout de beurre. Ce sont évidemment les œufs et le beurre qui lui apporte ses saveurs et sa texture merveilleuse. C'est très intéressant, merci. Bonjour. Bonjour, ce sont des rêves. Oui, de quoi? Pour le français, ce sont des souvenirs de la chambre de l'or et peut-être de l'enfance. C'est les aimes, petit que le regard des pluies, Benoît et Sidouis, toutes les familles. Merci. Par exemple, nous voulons vous représenter une date folklorique de France. А вы знаете, что мы любим танцевать? Например, мы хотим вам показать народный танец Франции. Ma patrie, c'est la française, Albert Camus. Да, у нее есть родина, французский язык, Альберт Камю.
На этом наше путешествие по Франции подошло к концу. Благодарю всех, кто присутствовал на нашем мероприятии, посвященном Дню Франции. А теперь я хочу передать слово нашему классному руководителю Лене Захидовне. Et voilà notre voyage en France est terminé. Nous remercions tous ceux qui ont assisté à notre journée de la francophonie. Дорогие гости, наши гости, дорогие родители, шеф, амбассадор де Франс, шеф, месье Лю, мадам Джамалова, мадам Багами, тут мы заняты de notre journée de France aujourd'hui. Je vous remercie de tout mon cœur. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude. Pour le moment, je voudrais donner la parole à madame Djamalova. Bravo. Bravo tout le monde. Bravo les petits, bravo les mignons. Vous êtes en cinquième place, mais vous êtes génial. Alors, permettez-moi donc de saluer vous tous. Monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur Jonathan Bleu, monsieur le directeur et les invités, les parents, les élèves, les enseignants de l'école numéro 14. Et je suis très heureuse de voir cette scène. Merci à vous tous. Rena était notre étudiante à l'université des langues d'Azerbaïdjan. Elle était très enthousiaste et elle faisait ses études bien. Elle aimait, adorait la langue française. Vous voyez le résultat. Bravo Rena. Et je voudrais dire une chose. Peut-être, nous ne le savons pas, parmi vous, nous aurons des Napoléon par des Charles de Gaulle, des Victor Hugo, des Marie Curie, Pierre Curie, des Coco Chanel, on ne sait pas, c'est la vie. Vous, notre avenir. Merci à vous tous. Merci, monsieur le directeur. Tekrar kısaca Azerbaycan dilinde demek istiyorum. Hamdi salam diyorum. Mektep direktörü tabii ki bizim qonaqlarımız Cənab Səfəri Jonathan Mürünü, Səfərlikdən gələn nümayəndələrimizi, müəllimlərimizi, direktörü, məktəbi, müəllimləri hamınızı sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Valideyn də fransız dilini, ruslar demiş, takdir jaç, fransız dili gözəl dildir, məhəbbət dilidir, bu dili sevib yaşatmaq lazımdır. Biz sevirik, estafeti tələbələrimizə veririk. Və tələbələrimiz də öz tələbələrinə, şagirdlərinə verirlər. Təkrar təşəkkür edirəm cənab direktor, fransız dilini dəstəklədiyinizə görə və bir qarşıya çıxdım. Kim bilir ki, gələcəkdə, bax elə bu uşaqların arasından bizim Napoleon Bonapartlarımız, Charles de Gaulle-larımız, Marie Curie, Pierre Curie-lərimiz, Coco Chanel-lərimiz, Victor Hugo-larımız, daha kimlərimiz, Azərbaycanlı fransız əsrli yazıcı Banini, ondan sonra İsmail bəy Qutqaşınlı, Il a écrit pour la première, Il a écrit pour la première fois en Azərbaycan, Önövür, Rəşid bəy və Saadət xanım, İsmail Qutqaşınlı, qui était l'originaire Azərbaycanlı. Donc, on ne sait pas, bilmirik. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Dünya, bütün dilləri öyrənmək lazımdır dünya arenasına çıxmaq üçün. Azərbaycanın İlham Əliyevləri, Mehriban Əliyevaları, Azərbaycanın yazarları, Səməd Rumunları, kimləri olmaq üçün eyni zamanda paralel. Uğurlar arzu edirəm, təşəkkür edirəm. Azərbaycan Fransız İlmədilər Asosiyasiyasının prezidenti kimi bizim bir məktəbə veriləcək bütün heyətin hamısına deyil, bir diplom donör hazırlamışam. Je voudrais passer la parole à monsieur l'ambassadeur et nous allons vous présenter à l'école un diplôme d'honneur signé par l'ambassadeur et par moi comme représentante de l'AFAS, l'Association des professeurs de français. À vous la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci à tous pour ce très bel accueil. Merci, monsieur le directeur. Merci, Gülbanize. Merci à tous les enfants et à leurs professeurs. Merci, monsieur le directeur.
teşekkür ederim. Bu spektakl était magnifique. Bu tedbir mükemmel idi. Très touchant. Ve çok da üreye tesir eden idi. Je ne m'attendais pas en venant à rencontrer que ce soit un jour aussi important pour moi, parce que je suis quand même rencontré Jeanne d'Arc, Napoléon, Charles de Gaulle, dans la même journée. Ben tasavvur etmiyorum ki ben yerinde burada Jeanne d'Arc'ı göreceğim, Napoléon Bonaparte'ı göreceğim, tarihi Fransız tarihi felsefeleri göreceğim. On sent que tous les enfants ont fourni un très grand effort et énormément de compétences linguistiques. Et énormément de plaisir et de bonheur à jouer ensemble et à apprendre le français. Et ça, ça me fait très plaisir. Çoklar da yüksel gösterdiler ve çok artistik çıkış ettiler ve onların dile karşı büyük kompetansiyaları var. Merci aux enfants de nous avoir montré des tableaux de choses qui nous réunissent, qui réunissent la France et l'Azerbaïdjan. Çok teşekkür ederim ki bu tedbirde Fransa ve Azerbaycan bir çıkış edildiler. Yani böyle bir tablo gördük ki hem Fransa ve Azerbaycan bir yerdediler. Le goût de la culture, le sens de l'histoire. Medeniyetin medeniyet ve tarihle bir yerde. La gastronomie, la musique. Mutfak, aynı zamanda müzik. Tous ces domaines où nos deux pays ont énormément de culture et de richesse. Et c'était très beau de voir ça ensemble. Donc, encore un grand merci et je vous souhaite une très belle journée. Merci pour cette évocation de la francophonie. L'ambassade de France est très heureuse de pouvoir s'associer à cet événement et elle sera toujours heureuse d'être à vos côtés et d'apporter son concours, son aide. Çok teşekkür ederim size ki uşaklara böyle bir şerayet yarattınız hiç başaramaya ve medeniyeti göstermeye Fransa'da, Azerbaycan bayrağı altında. Et enfin, merci aussi à tous les parents qui sont là, qui ont pris du temps pour venir voir leurs enfants et je suis très heureux de voir tous ces enfants qui sont tellement souriants et plein de bonheur et donc ça veut dire que les familles sont tellement heureuses et je crois que c'est ce qui pouvait me faire le plus plaisir aujourd'hui. Merci. Ve valideynlere de teşekkür ediyorum. Nasıl ki uşakların gülüşlerine bakmaya geldiler ve uşaklara destek ediyorlar. Çok sağ olun. Madame, merci à vous, Merlin, et à tous les chers avec vous. Directeur, j'ai le plaisir de vous remettre ce diplôme, diplôme d'honneur, à l'école numéro 14 de Bakou. Très belle école, que j'ai été très heureux de découvrir. Félicitations, bravo, merci directeur. Très bien, madame. Merci. Hürmetli valideynler ve aziz babalar, bizim için en aziz olan sizsiniz burada. Bütün bu tedbiri, bütün bu danışı, eziyet, alışlar sizin için. Biz isteriz ki burada görülen işlerimizin her biri sizin inşafınız için öz behresini versin. Hürmetli sefir ve hürmetli konaklar, bir daha bildirmek istedim ki Azerbaycan halkı dost aktaran, dost seven halkıdır. Biz dünyanın bütün halklarıyla dost olmak bacarmışız, tekse bir halktan başka. Bütün halklarla dost olmuşuz ve dost olmaya da çalışırız. Dostluğumuzu da çok yüksek seviyede saklayırız. Bizim Azerbaycan halkının, Azerbaycan devletinin en büyük dostlarından biri de Fransız halkı ve Fransa devletidir. Biz Fransa deyende yadımıza gördüğümüz gibi Jeanne d'Arc düşür, yadımıza Napolyon düşür, yadımıza düşür Charles de Gaulle. Onun en büyük dostu Azerbaycanlı olur, Ahmediye Cebrail. Fransa deyende, Paris deyende yadımıza düşür Eiffel Kulesi. Louvre Müzeyi düşür yadımıza. Biz bunu uşaklıktan, biz de 4. 5. sınıfta okuyanlar bak bu dediğimiz
obyektleri, insanları həmişə eşitmişik adlarını və yadımızda saxlamışıq. Fransa dövlətini və xalqını çox sevmişik. Və bugün mən çox şadam ki, Fransa kimi bir dövləti, onun xalqının, adının, dilinin təbliğində bizim məktəbimizlə iştirak edir. Bizim şahidlərimiz yüksək səviyyədə burada öz performanslarını göstərdilər. Mən bütün şahidlərimizə, eləcə də onların müəllimi olan Rəna müəlliməyə təşəkkür edirəm. Sağ olsun ki, qısa bir müddətdə, bir neçə ayın içərisində bu uşaqlarla belə bir nəticə aldı. Mən uşaqlarımızı bir daha təbrik edirəm, onlara təşəkkür edirəm, onların hər birini bağrıma basıram və arzu edirəm ki, onlar gələcəkdə Fransa dövlətinin ərazisində yerləşən məşhur tribunalarda çıxış edəsinlər. Elə tərtəmiz Fransız dilində danışsınlar. Biz bizim uşaqlar Strasbourg Fransa'da yerləşir və Avropa Şurası Avropanın mərkəzi sahibi olan orada həmin şəhərdə yerləşir. Mən hazır edirəm ki, bizim şahidlərimiz vaxt olsun, orada bizim dövlətimizi tərənnüm eləsinlər, təmsil eləsinlər. Və mən inanıram, bu olacaq bizim şagirdlərimizin, Azərbaycan xalqının, evlatlarının potensialı çox yüksəkdir və biz həqiqətən də dünyada özünə layiqliyiz, qulağa layiq bir millətik. Ona görə də Fransa xalqı kimi, Fransa dövləti kimi bir dövlətlə biz dostluq edirik. Bu dostluğun qabaqda gedən, lokomotiv rolunda çıxış edən bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdir. Və bu dostluğu həyata keçirən, daha çox əlaqələr yaradan isə bizim vitse-prezidentimiz hörmətli Mehriban xanım Əliyevdir. Bu şəksizdir, biz özümüz onu müşahidə edirik, uzun illərdir. Gördük ki, Mehriban xanım Fransada xüsusilə mədəniyyət sahəsində hansı işləri görür və bu iki dövlətin, iki xalqın əlaqələrinin genişlənməsinə, onların bir-birinə yaxınlaşmasına çox gözəl töhfəsini verir. Çıxışımı sonlandırarkən bir daha hər birinizə çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm, hörmətli valideynlər, müəllimlər, şagirdlər, qonaqlar, əziz qonaqlar, gələn ayaqlarınız var olsun, yaxşı ki gəldiniz. Çox sağ olun. Tous et à toutes, Monsieur le Directeur, Gubanis, chers parents, chers élèves. Salam herkese, Directeur, Sakir, Bonaflar, Bonaflar. Donc moi je voulais juste évoquer le fait que vous apprenez le français, vous commencez à apprendre le français. İstəyirəm ki, yəni siz artık fransız dilini öyrənməyə başlayırsınız və bu özünə bir bayramdır. Et en apprenant le français, vous rejoignez les 321 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Siz fransız dilini öyrənərkən bir zamanda 321 millions, siz əhali eyni zamanda fransızca danışanlara qoşu olursunuz. Le français est parlé dans le monde entier, sur les 5 continents. Fransız dilinden danışılan dili bütün dünyada. Sur les 5 continents. Et c'est une langue qui est en progression. Chaque année, il y a de plus en plus de francophones dans le monde. Donc j'encourage très fortement les élèves, l'école, à poursuivre l'enseignement du français pour faire partie de cette grande famille francophone. Donc je les encourage à continuer pour rejoindre la Voilà. Donc je pense que ça pourra leur ouvrir beaucoup de portes à l'avenir pour leur avenir personnel et pour leur avenir professionnel. Hem şahsi hem de profesyonel inkişafda evlendi. Voilà. Voilà, donc je les félicite à nouveau, je félicite Madame Rena qui est leur professeur pour le travail qu'elle fait. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Voilà, et puis on a amené quelques livres en français que vous pouvez avoir dans la bibliothèque de l'école
et que les enfants pourront pouvoir lire. Biz neçe kitaplarımız olacak, kitaplarla mektebe kitaplarını da koyacağım ki uşaklar da o kitaplardan istifade ediyor bizimler. Merci à tous.